Pas dit, c'est seulement qui remarque ça. Histoire qui a répété tête li. King Street en collaboration avec Magic Touch. Est-ce que ça para plus loin? Est-ce que pas grand qui passe dans tête ou? Un bébé me rafraîchit mémoire. Oui, je considère qu'il y a une pile similitude entre collaboration Magic et King Street ça, et puis entre collaboration Wendy et puis Magic Touch. Jeannot Carwell là, c'est un bagage qui symbolique. C'est un tournant qui est important dans la carrière King Street. Et c'est peut-être création, dernier stade création, yon icône. Tout le monde connaît l'impact que Magic Touch a fait sur la production musicale Wendy King. Mais quand y a, sans pas en doute, on regarde qui ça pourra le faire avec King Street. Mais avant de commencer, on fait râler sur Magic Touch. Magic Touch c'est un beatmaker qui sorti au caï. Qui vient tout nos icônes rapidement pour qui ça? Parce qu'il vient touche lui sous production musicale majorité rappeur mainstream qui passait de période ça. Qui c'est Wendy, qui c'est Baki, qui c'est Trouble Boy avec un pilote qui m'bague dans cité. Nous tout connaît impact que Magic Touch t'a fait sur carrière Wendy King, plutôt sur production musicale li. À tel point que après toute bagaille, l'après difficile pour Wendy combler vite ça, vide Magic Touch là. Et même Wendy dans dernière interview il t'a gagné avec JMS. T'es même mentionné que Traka, Karpéa, li remè Magic Touch. Et même avec Baki, nous capable voir que Magic Touch t'a pas avancé depuis longtemps. Donc à la base, qui ça Magic Touch yé? Li c'est un beatmaker, yon pou douceur. Pour qui ça Magic Touch me considère le gen tout en pleurs ça? Et mais c'est simple. Pour moi, Magic Touch fait un bagay qui simple et en même temps qui extraordinaire. C'est ça relé créer yon identité musicale pour chaque artiste qui collabore. C'est un bagage qui est difficile à faire parce que beatmaker en soi a une identité, mais créer une identité pour chaque artiste, c'est un bagage qui est difficile. Je vais m'expliquer au plus. Léon Music Wendy a commencé, les beats ont commencé depuis un bon temps de voir Wendy. Ma pari avant que la majorité des gens connaissent c'est Wendy qui pourrait le poser sur la musique. Sans pas ni le titre là, ni ou pas ni connaître la musique ça déjà. Léon Music Bar qui pourrait le commencer et c'est Magic Touch qui produit, même bagage là. Trouble Boy, c'est Magic Touch qui produit, même bagage là. Mais pour qui ça? Magic Touch capable de faire un lien entre comportement artiste avec la musique que la produit pour faire ça relayer en symbiose. Pour artiste là qui ça relayer un caractère musical propre à lui-même qui fait Jean Abdimna et puis avant musique là commencer rapper à chanter sous lui ou gétant identifier la lui-même parce qu'il y a une identité liée avec instrumental là. C'est pas pour ça raison Wendy vient paraître les il y a trois caractères. Il y a Traka, il y a CEO et il y a chinois. Mais faut connaître que Traka parti ça Magic Touch contribuer là-dedans en pile. Style chez ça avec Oiwe là, c'est Magic Touch avec Wendy qui monte le tout d'une pièce. Attention, m'pa dit c'est Magic Touch qui fait ça seulement, même juste à montrer impact que li gagne sur un pile rappeur qui mainstream et que li travaille avec eux déjà. Nous t'es capable de dire que ça c'est de Magic Touch, mais non, c'est qu'on pas connaît bien. Ça t'a parlé pas tim le li t'a pas lagué projet pal, li pas lagué musique pal. Avec voile et côté les produits. Là, je vais vous dire mettre monsieur sur un piédestal parce que nous sommes capables de voir qu'il fait un travail extraordinaire. Et si tout dans la musique, ça que je plus remets dans tout ça, monsieur Lagué, qui c'est ça? Je dis à ce moment-là, qui trop bagaille pour me reprocher, tellement regret. Léon Produce a plagié un projet pour être pas riche, les rap, techno, compas, avec même style que nous pas même connaît qui existait même. Et j'aimerais venir sur projet King Street là après, nous pas venir en partie côté le mettre ça ou les Jazz et Jules. Donc assez parlé de Magic avec le passé, mais qu'on y a en parler de collaboration ça gain avec King Street et côté me joindre les gain liaison ou bien les ressemblance avec collaboration que Magic t'a gain avec Wendy. King Street nous déjà connaît évolution li. Si un rappeur qui évolue bien rapidement, li c'est un artiste qui fait moins serré dans carrière. Ça veut dire chaque ça l'a fait, il fait une ligne bien précise et il bat pour chaque ça le fait aller droit au but sans passer à côté. Première musique King Street la gué sur channel YouTube li qui s'était calé pour l'épisode 1, c'était en collaboration avec BSJ et beatmaker ça qui était produit CEO pour Wendy King. Deuxième musique là en tête calé pour l'épisode 2, c'est toujours ça. Après ça, après collaboration le Bralvin avec Phantom Isolant, nous te Bralvin ouais que le Bralvin gagne Dex Beat. Mais gon bagaille spécial qui Bralvin vini. C'est les King Street pour la musique ça a dit qui plan pour moi et nous devons venir un impact avec valeur que Magic te pral porter dans production King Street. Il fait un bagage qui simple. Depuis avant King Street poser sur musique là, ou que t'as senti c'est King Street qui pral laguer même sous votre temps des voiles, même sous votre petite musique là parce que Magic crée une identité toute une pièce pour musique ça. Ou qu'a pensé son coïncidence, musique là cumulé passé 8 millions sur YouTube. Et deuxième musique qu'elle pourrait laguer avec Dokaim en collaboration avec Magic Touch a cumulé 13 millions. Et dernière musique qui laguer avant projet A, qui s'est essayé grandi, même bagaille là.
Donc qui ça, est-ce que son coïncidence ou bien est-ce que Magic Touch gon valeur ajoutée li pote vraiment à produire la produit artiste li yo. En ouvrant parenthèse, nous rappelons une majorité refrain musique soit Wendy Baki, à l'époque c'était Magic qui t'était fait yo. C'est pas pour sans raison. En principe exemple musique livraison, nous connons tout impact que musique ça t'a fait, mais c'est simple. Magic te fait refrain. Tout ça, c'est pas pour vanter, mais pour montrer l'impact collaboration ça avec King Shoot capable de porter dans la carrière artiste là. Et même dans la carrière Magic Touch en tant que producteur. Mais les King Shoot pour annoncer projet là, en pile monde est en douté de ça. En pile monde est en douté de ça. Li mette page Instagram ni réseaux sociaux li à zéro et li mette un point d'interrogation ni sur profil li, ni sur story li, et en tant que seul poste qui gagne sur page. Et après, il pourra venir avec annonce ça. Nous sommes dans le sud, n'importe rapidement. Je fais musique depuis à 12 ans. Et tout de suite, les projets à la gué, moi, c'est un bagage qui est extraordinaire. Pas seulement pour production musicale là, mais choix que King Shoot fait pour mettre projet ça en collaboration exclusive avec Magic Touch. Mais nous pas jambaïdo, la vie pas baïbiaï, mais composant mille fèm cadeau. N'a pas joué un titre tant ou, Alléluia, une production qui est liée avec musique l'été fait d'une qui plombe pour moi, mais sans que le pas monotone. Prévito, wow, drogue, toute musique yo identifié King Shoot, toute musique yo lié avec caractère, avec comportement King Shoot, qui montre que Magic joue au lit dans ça qui veut créer une identité musicale. Je suis capable de dire que King Shoot font bon choix, mais ça qui fait me lier deux carrières ça yo. King Shoot, Magic, Magic Wendy, c'est parce que moi j'ai une ressemblance. Je sentis que ça va éclater, même j'ai ça éclaté pour Wendy. C'est pas dans partie négatif, mais dans partie positif yo. Je sentis que ça a poté en pile, même j'ai que ça a poté en pile dans carrière Wendy. Ni tout m'pas comparé Wendy avec King Shoot. C'est deux artistes qui ont évolué de façon pareille ou différemment. King Shoot fait choix pal, Wendy fait choix pal. Mais King Shoot, jusqu'à présent, nous capable dire que li pas raté rien, li pas échoué. Et si j'aime moi continuer à aller dans même ligne ça, nous capable dire que King Shoot a tourné nouveau paquet à fait industrie. Merci parce que t'as regardé vidéo ça, c'était Black G. Pas oublier commenter en bas, dis-moi qui vidéo qui sort à remettre nous parler. Parler ou libre dans commentaire pour dire ça vous voulez. Et pas oublier abonner à la channel là pour plus belle vidéo comme ça. Je dis c'est une un peu tracat ou carrément Magic dans pile. Ouais. C'est même bagage là, c'est même repérage là, c'est même genre, c'est même bagage là et puis mais est-ce que c'était difficile pour faire transition par exemple pour dire que mais de Magic à l'autre producteur et comme si on était une habitude de collaboration ou fit rapide façon le producteur pas il a sorti le premier beatmaker de gagner dans majesté et premier toute musique making dans tout ça il passé de Jibobi mixtape il veut sous indétrônable